Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PlayerUnknown's Battleground. Donc dans cette vidéo, ça va être un petit peu différent d'habitude. Le petit best-of que je vous ai mis au début, comme d'habitude au début des vidéos PUBG, c'est uniquement sur War Mode. Donc War Mode, c'est un mode qu'on a eu pendant quelques jours sur PlayerUnknown's Battleground et globalement, c'est comme si on avait Call of Duty dans PlayerUnknown's Battleground avec plein de respawn possibles et un cumul de points qui permet de gagner la partie. Vous allez voir, je vous explique ça dès le début, dès la première game, donc voilà, vous allez tout comprendre, ceux qui connaissent pas ce mode. Et ensuite, je vous ai mis un top 1, donc là c'était un top 1 en solo avec un défi à Lascar qui m'a été donné par un des abonnés. Je vous affiche là son commentaire à l'écran. Et vous allez voir que je vais faire pas mal de kills, j'étais quand même assez content de moi, plutôt des belles actions. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu juste en bas. Pensez à vous abonner ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et du coup, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Ça dure combien de temps, une game à peu près? 15 minutes. Ah bah c'est cool, c'est rapide. Ok, ok. Alors donc le but, c'est de faire un max de kills, c'est ça? Et dès que tu meurs, tu respawns. C'est ça. Voilà, et au niveau des armes qu'on a, c'est random ou là ils ont... C'est aléatoire. C'est aléatoire, ok. Ok, ouais. Mais c'est aléatoire, genre tout le monde a toujours ce truc aléatoire enfin... Non, non, c'est toi tu peux avoir une M4, comme moi je peux avoir une Scarel ou une AK, une Mini 14. Donc on part sur une injustice dès le début de la game, ok. C'est ça. Tu peux tomber. Bon, avec après, bon, le bon signe c'est que si t'as une arme pourrie, et ben tu meurs rapidement et tu respawns avec une arme peut-être mieux. Oh, c'est ça. Oh, l'avion il fait des trucs bizarres. Ouais. Oui, parce qu'il va dans la zone directement. Ah, d'accord. Ah d'accord, donc c'est Poliana la zone, donc on va tout spawn dans Poliana et ça va être la guerre dans la ville. Ouais, c'est ça. Ok, donc la zone elle fait déjà du dégât, si on n'est pas dans la zone on perd du... C'est ça. Ouais, okay. Faut spawn dans la zone. Et la zone fait très mal. Ok, ok, bon. Moi j'ai sauté les mecs, je suis chaud. Oui, moi aussi. Ok, je suis M16x2. Et j'ai une M4. Vous en mettez. Et il y a des drops, c'est cool. Ouais, il y a plein de drops, les airdrops sont sympas. Ah ouais. Nice. Ça va être fun. Au début c'est très calme. Tu verras quand il y a les drops, c'est moins calme. Ah ouais. Enfin au début c'est très calme, non. La première salle va être pique. Oh, j'ai été couché. Comment c'est la guerre. Comment ça. J'étais couché aussi. Respawn toutes les 15 secondes, d'accord. C'est bon, non, relever. Pour relever, ça dure une seconde, je crois. C'est super vite. Vas-y, t'es où là? Vas-y, je viens sur toi, Dractam. Ouais, j'ai plus de munitions déjà. Comment? Du coup, je suis au pistol. J'ai plus de munitions, du coup, je suis au pistol. Ah merde. Allez, je te rejoins. Les munitions partent hyper vite. Eh, y'a pas de loot. Oh bah, je suis mort. VSS. Ouais, en fait, Guillaume, j'explique. Alors, tu couches un mec, ça fait 1 point. Tu tues un mec, ça fait 3 points. Donc, tu le tues et tu le couches, ça fait 4 points. Tu mets 4 points pour la team. Vas-y, je me balade, même si je meurs, c'est pas grave. Y'a un mec, toi, Guillaume, en face de toi. Donc, balance une grenade là-haut, si tu veux. Sur le toit, il est? Ouais. Vas-y, bah, je fais son bâtiment. C'est bon, je l'ai buté. Ouais, ça se trouve, c'en est un autre, hein. Il y en a un autre peut-être. Les mecs, on est toujours premier. J'ai l'impression d'être dans Call of Duty, putain. T'as vu? Les drops arrivent, ça va être carnage. J'aime pas beaucoup ce mode. Oh, putain. Je fais décale à chaque fois. Bah, j'ai la pire arme, le VSS. Vas-y Dractam, j'arrive pour toi. Ah non, merde. J'étais dans les escaliers. Tu vois, voilà, je me suis fait coucher. À peine apparu, je me suis fait coucher. Ah oui, mais après, tu sais pas jouer après. Bah. Après, voilà, il m'a tiré dessus, je vais tirer dessus, je suis tombé en premier. C'est bon, on a gagné. Attention.
Attention. Ah. C'est bon. Et c'est une victoire. Vous avez fait des frags, vous, les mecs, ou pas? Moi, j'en ai fait que 4. 4. Ah, 4. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est les... je pense que hey, c'est les autres qui ont fait plein de kills, hein, je pense. Mec, j'ai une... Alors, on était à Gasno, donc. Moi, j'ai une Scar. Ça fait gaffe, Guillaume, ils vont en face de toi. Mais ils ont bu et tout. Y'a trop de monde. Ouais, on peut revive. Sauf que c'est raide. Ok, j'ai été couché. Kev, tu peux me revive? Par contre, on a pas de soins, c'est dommage qu'ils nous mettent pas plus de soins. Ouais, et là, tu vois, genre là, à côté de moi, y'en a un, hein, par exemple. On se en bas, les gars, en bas de la maison. En bas de votre maison, y'a des mecs. Mais non, il m'a mis à terre. Il y en a deux derrière vous. Hein. Là, il est en kef, je suis juste à côté de toi. Fallait le rire, le mec. En jaune, fallait le rire. Derrière toi, ah, bah il est mort comme un con parce qu'il a continué d'avancer. Mais non, mais il tombe sur lui. Viens à moi, Kev. Je peux pas si je perds trop de vie. Ah ouais, mais la réanimation, laisse tomber. Merci, Kev. On fait quoi? On re-rentre à l'intérieur? Je sais pas, comme vous voulez. Sûr? Ça spawn vers vous. Putain, tu m'as fait flipper, toi. Tu t'es sûr, Aristotle? Oh, il doit être deg, lui. Il avait un truc bien? Attends. Pourquoi mon pote m'a cru là? Oh, c'est pas 100 balles. Il se manque. Ah, il y en a, il est là, les escaliers. Non! Il me semble qu'il y en a un là-haut. Sur le toit, y'a personne. Hein. Merci. Ouais, il en reste un, j'en entends courir un. Ouais, sur le toit, Kev, sur le toit. Il était caché, je voyais pas. Il était allongé, bien caché. Netra. GG. Sur le toit, je crois qu'il y en a un autre, cette gaffe. Je suis penché sur les fêtes. Un de nos trois. Il est dans le super, Kev. La terre. Ah merde, Kev. Non, pas grave. J'ai plus que deux balles de 5. Il est fini ou pas? Il est là, l'église. Attends, mais pourquoi je suis bloqué là? Il y a un truc qui me. Il est juste à terre, celui-là que j'ai. Vous avez pas des lags, vous? Non. Non. C'est bon, il est mort. Là, on peut reprendre l'avantage. Allez, ah, il m'a eu. Ah, c'est Venise. Et moi, mon... Oh, nice. Je l'ai jamais fait encore, Venise. Non, hé, les mecs, n'allez pas à Venise. Faut aller au bord de la zone, les gars. Non, okay, il faut aller au point vert. Ah ouais? Je peux te rajouter sur Snap? On va se faire monter en l'air, Guillaume, t'es pas prêt. Mais non, on va pas se faire monter. Ah, c'est Guillaume, bon, t'as plus de bêtes, j'espère. Oh, j'avoue, il y en a plein qui sont venus là où on était. Oh, je suis mal. Oh, je respawn instant. Nice. Vas-y, Skin, je viens sur toi. Oh putain. J'ai qu'un SKS, mec. Je pourrais pas. Moi j'ai une AK. Alors Aurel, j'ai assisté à ta mort, c'est déplorable. Ouais, c'est déplorable, je suis d'accord avec toi. C'est horrible. Là, je suis foutu. C'est quoi, j'ai essayé de... Ouais, t'as explosé, mec. Kev, ça se passe pour toi? Là, je suis mort. Il est down. Il reste que 3 personnes tranquille dans notre team, les gars. Il reste que 3 personnes, putain. Là, je suis un peu à l'abri. Mais y'a un autre mec là. Mon grenade. Il va relever son teammate, j'ai la claque. Il l'a le sac. Putain, mais ça fait deux fois que j'ai le PSS! Oh putain, ça m'a dit, non, de tout côté! Guigui, je me suis ramassé une grenade, attention! Allez, toi, t'es mort. Je suis sorti de toi, Guigui!
deux secondes. On ramasse même quand on est en l'air. Fais gaffe, ça vous rush, ça vous rush. Sur la colline, sur la colline. Ouais. Mauvaise idée, Ocean, mauvaise idée. Ça marche pas, je peux pas faire F. Non. Ah, je suis désolé, man. C'est pas grave. Merci pour les munis. J'ai compris. Relève-moi. J'ai mis 14. Ah, j'ai pas eu le temps de le prendre. Bon, je viens pour récupérer les munitions. Les gars, vous avez besoin de munitions, j'ai su équipé. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai une AWAP. Oh, il y avait un mec juste à côté de moi. Ça tire, mais... Bractam, il va... Watness, on le connaît ou pas? Vas-y, go. Go, Kev, derrière Watt. Il y avait un mec, il était là, pépère. Ah, ils sont sur les... Arka, y'en a un derrière toi, là. Dieu, Kev. Arka, à ta gauche. Là, là. À gauche. Ouais, il est là, il est là. Par la terre. Oh putain. Mon dieu. Ah, je suis dans la merde, les gars. Ah. Tirami, Skinzer, merci. Je te finis avant qu'il termine. Bon, mieux que ce soit. What? Ah, c'est la fin de la game. Dommage, j'avais trouvé une M416 et un x8. C'était Aurel. GG, merci Aurel pour ce kill. Bon, donc, go à la piscine, c'est blindé. Ils sont tous sur le toit, en vide, déviation. Aïe. J'ai été tué. Ah non, j'ai été tué par un ami. C'est vrai, j'ai pas. Derrière toi. Oh, il y avait un mec juste devant moi. Oh, Chica. Ah non. Kev, lourd. Lourd. Kev. Allez, revive. Yes. Merci, tu me tournes à la piscine, c'est ça? C'est ça. C'est à l'extérieur, fais gaffe. Rage kit, ouais, je suis bien, c'est bien joué, Kiki. Bon, là, il y a un regroupement de team, on va y aller directement avec eux dans le gros bâtiment. Oulala. Putain, Guillaume, il est là, il est là, vas-y. À la... aux escaliers. Je vais aller de l'autre côté, en fait. Non, il y a son pote qui va arriver. Mais j'avais plus de balles, en fait. Je peux rien faire. Je crois qu'il y a déjà un mec, il y a déjà un mec sur le drop. Ouais, il y a déjà un gars, là. Donne l'armoire, quand même. Bien joué. Mais comment il m'a eu? Il y a un pote à lui qui arrive. Comment? Il y a un pote à lui qui arrive. Ah ouais? Ils sont deux. Il m'a descendu. Il est là-bas, il est à droite. Il est à droite en ouest. 285, Guigui. Derrière les petits murets. Ah là là. Bien joué, les gars. Il y en a un, il a dit Guigui, t'as 40. Les gars, en direct, c'est Guillaume qui n'est pas ses camarades. Fais gaffe, Bractam, y'a un mec à droite. Oh, y'a un mec à droite. Vous avez vu, les gars, hein, c'était du direct live. Allez, viens me sauver. Viens me sauver, toi. Il est passé derrière moi. Non, mais en même temps, ça me shootait. Hein. Oui, oui, ça shootait. Oui. Mais qui tire, ça shootait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme loot sur skin? Chica derrière toi. Vas-y, je checkerai ça, Adrien, dès que j'aurai fini le live. Ça tire dans la pampa que la drague. Putain, il est devant ma gueule. Chier. Oh non, ils sont 3 ou 4 sur le non, la zone. Oh, tu me spectate la skin? Pas du tout. Ouais, ouais, je te vois. Non. Oh non, j'ai fait de la merde. Voilà, il m'a fait. Ah ouais. J'espère que t'as assez de balles. Eh, skin, skin, regarde ce que j'ai dans les mains. Oh le salaud. Oh, GG, vas-y, mitraille. Putain, mais pourquoi je suis coincé dans une aire de jeu pour enfants? Divien en avance. Derrière, de là où je suis, je peux voir. Tu pouvais pas la voir là, c'était marrant, en plus il me restait que dalle. Y'a le airdrop qui arrive. C'est bon, je t'ai vengé, skin. Merci, mon ami. Alors. Hey, do you know what is special about American people? Alors, hop, je me suis mute. Et ben, on va passer au sud d'Hacienda del Patron, donc on va sauter à Hacienda del Patron. Voilà, c'est décidé. Que j'aurais pas sauté un petit peu trop loin. Et si, malheureusement.
Je me soigne. Il reste des gars, sûr. Il est là, je crois. Fou. Eh ben j'ai eu de la chance. Hein. On va se cacher là temporairement. On va prendre ça. x8 cache-flamme. Faut que je me soigne. Ah bah je crois qu'on a survécu à Hacienda. Fou. Oh là là. Heureusement que je l'ai entendu. Alors je suis plutôt bien stuffé. On va essayer d'améliorer le stuff vite fait avec les loot. Et bah c'était chaud. Hein. Mais bon, on s'en est sorti. On a quoi ici? Un autre SKS. Je vais prendre 30 balles, ça suffira. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. J'ai tué combien de monde? 4 mecs j'ai tué. C'est plutôt cool. Il n'y a pas un petit gilet un peu mieux? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait. Hein. Bon. Eh ben, on va quitter la zone. Ah. Oh, silencieux d'air. J'ai failli passer à côté. Trop cool. On va pouvoir snipe des mecs. Alors on va aller loot juste ici, comme ça, déjà ça nous rapproche un petit peu de la zone. En plus j'ai qu'une trousse de soins, donc ce serait cool que je trouve un petit peu de soins. Puis une poignée coudée ou poignée verticale serait pas mal. Alors j'ai pas pris la M416 parce qu'on m'a mis dans les commentaires de la chaîne de faire un défi où je fais top 1 avec la SCAR. Donc j'essaye de garder la SCAR, mais moi ça me dérange pas trop parce que je l'aime bien cette arme. On va laisser les balles, j'en ai vraiment trop. Ah, là, c'est pas une pièce. Allez, on se rapproche de la zone. Ici, je crois qu'il y a une petite route juste derrière. Donc, on va essayer de voir s'il n'y a pas un véhicule. Après, j'en trouve jamais, moi, à cet endroit-là. Mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'il y a eu un spawn. Mais je ne crois pas. Eh, ça a pas été loot, hein. On est loin ou pas de la zone? Oh, je vais le tenter. Je vais tanker un petit peu la zone, on verra bien. Si je trouve ne serait-ce qu'une grande trousse, c'est déjà rentable en fait. Tiens, une bâtée. Je prends. Ah voilà, un antidouleur. Ça c'est pas mal, je vais le prendre maintenant. Comme ça, ça me permet aussi de tanker un peu la zone tranquillement. Voilà. Alors la zone, elle est vers où? Elle est vers Graveyard. Donc c'est là-bas. Non, je vais choper un peu de zone, je pense, mais pas énormément, donc ça devrait le faire. Ah, je vois un mec là-bas. Je vais voir pour me le faire. Oh, il a eu beaucoup de chance, lui.
Allez, voilà. Ça t'apprendra. Oh merde! Allez, c'est bon. Yes. Ça c'est cool. Oh, il a de la chance lui. On va essayer de le contourner. Je l'ai bien eu. Bon, maintenant, il va falloir que je lutte contre la zone parce que là, elle va faire sacrément mal. Et autant vous dire que j'ai aucun véhicule. Ça va être ultra chaud. Ah non, elle est pas méga loin, ça va, j'ai de la chance. Oh, j'ai de la chance. Je pense que c'était le gars au loin, là, que je viens de buter. Hein. C'est le gars que j'ai snipé tout à l'heure, là. Je vais récupérer la voiture. Alors, où est la prochaine zone? Los Leones. C'est loin. J'ai envie d'aller là-bas en... Ouais, je vais faire ça. Je vais faire une grosse distance en véhicule. Heureusement que j'ai chopé le véhicule parce que là... Et c'est loupé mon gars. Je m'en sors. Alors, il y a un mec. Où est-il exactement? C'est ça la grande question. Il m'a fait sursauter en tout cas. Allez, on va faire ça. On va point jaune en buggy. On va lâcher le buggy ici. Il y a des tirs de snipe là-bas au silencieux. Je pense que c'est snipe. Ok, là il y a un mec. Allez, on avance. J'espère qu'on n'est pas trop cramé là.
On est 8. Ok. HTV. Là qui tirait. Alors il reste deux autres mecs avec moi, mais je sais pas du tout où ils sont. Je suppose qu'il y en a un dans la maison. On attend le dernier moment pour avancer. Il est dans la maison. Yes, 10 frags à Lascar. Bon bah parfait.